Потому что, ну, как бы стоя, да, вам сразу будет сложно. Parce que si vous êtes, ça vous sera beaucoup plus difficile si vous êtes debout. Là, on va essayer de faire debout, c'est que ça va être plus difficile. Plus difficile que l'exercice. It's gonna be more difficult. Научиться владеть своим телом, да? Pour apprendre à contrôler son corps. То есть вот, вы должны вот на полу вот так вот делать. Vous devez d'abord travailler le faire sur le sol. So, we need to learn from the floor, then we practice standing. Some people, I think, needed a better explanation for what I was doing too. Alors, et là, il y a des gens qui ont peut-être besoin de plus d'explications sur ce que lui il faisait en fait. When your partner's on the ground and you're on top of him. Quand votre partenaire est au sol et que vous êtes sur lui en fait. We're just constantly putting pressure down on the person. We're not fighting each other. Right? Il faut lui mettre une pression constante. On n'est pas en train vraiment de faire la bagarre avec lui. So when he moves, my pressure's always still going down. Moi, il faut toujours que ma pression elle soit sur lui en permanence. He starts to escape. Il commence à s'échapper. This is what we're doing standing up. Et c'est ce qu'on fait quand on est debout en fait. La main elle lâche. So I need to keep my pressure down the whole time. Moi, il faut que je lui mette la pression en permanence. My pressure's going down. I'm pushing. Là, il pousse vraiment sur lui. Hein. Now he needs to keep working on it, but I keep pushing. I know. Lui, il passe toujours son temps à pousser, et s'il le lâche, l'exercice, on peut pas le faire. Donc il faut avoir une pression constante sur lui. You have to find the support. You have to keep going. You don't just let go. And if he moves wrong, you move off. Il faut lui donner un support en permanence. Hein. Il faut chercher à maintenir cette pression sur lui. Et là, il peut faire le travail. Pour que votre corps réagisse. Sans avoir aucune tension. So the body works without tension. Помните, что мы на полу делали? Вы немножко даете здесь напряжение. Первое упражнение, помните, напрягали ноги, таз, верхнюю часть. Вот он, да, вот вы, раз, напряжение, видите? И да, вы So we need to learn what we've done before on the floor and to use in class. Самое главное, это шагов. Вы даете немного напряжения, держите здесь, в этой точке. С нее как бы... Still give a bit of tension on that point where you put his hand. Если у вас не получается, опять на пол. Если вы не arrivez pas, faites-le à nouveau au sol. If you can't do it, try again on the floor, starting from the floor. You need little movement. Давайте пробуйте все на полу.